de la maison natale de Yves Saint-Laurent. Très bien, donc là, on est dans un espace d'exposition. Et là, ouais, et là, on est... Vous parlez de votre exposition. Oui, là, on est dans... En fait, on voulait vraiment montrer le savoir-faire de Hayari. Et on a présenté ici les collections haute couture qui ont défilé dans le monde entier, commençant par Paris, Milan, Londres, Dubaï. Et là, ce que vous voyez, donc, c'est des défilés qui ont défilé... c'est vraiment les créations Hayari qui ont défilé dans le monde. Je suis en train de voir quand même des portraits avec de grands stars du cinéma, du monde du showbiz. Vous pouvez nous parler de quelques-unes de vos expériences? Oui, j'aime beaucoup. Parce que je suis Hayari aussi, et je suis aussi le couturier et le styliste officiel des Hollywood Beauty Awards. Hollywood Beauty Awards, c'est l'événement phare avant les Oscars. Donc, dans cet événement, permet aux stars et célébrités de venir nous voir et de leur coacher, entre guillemets. Enfin, vraiment, on leur montre, elles nous demandent de quoi, enfin, si elles peuvent porter telle robe ou telle robe. Et moi, mon rôle de styliste et créateur, je conseille, par exemple, par rapport à la morphologie, de porter telle robe ou telle robe, s'il n'y a pas le choix dans la maison de couture, ailleurs, bien sûr. D'accord. Outre Nicole Kidman, Nicole Kidman, Nicole Kidman, enfin je ne l'ai pas habillée, je l'ai pensée. Oui, pardon, je l'ai pensée. Les portraits de Nicole Kidman. Oui, Nicole Kidman est là, quand on est très bien à Los Angeles. Donc c'était lors des Oscars, donc elle était un peu désespérée pour porter quoi et quoi. Donc, et Hayari, donc moi je l'ai conseillé de porter Armani, avec une robe Armani magnifique. Et donc voilà. En même temps, on a pas mal de stars. Il y a Haifa Wabi. Là, c'est lors de la Fashion Week à Paris. Donc, les cocktails à Hayari, il y a toujours des stars. Oui, et parmi eux, il y a notre belle Haifa. Très bien. Donc, alors, aujourd'hui, c'est une exposition. Vous êtes là à l'invitation déjà de M. Raffin, il faudrait peut-être le souligner. C'est une première exposition en Algérie. C'est la première exposition mode. Mode haute couture en Algérie, et c'est grâce à monsieur Afan qui nous a vraiment contacté. C'est le grand mécène ici à Oran. C'est incroyable, vraiment. J'admire son travail, j'admire ce qu'il fait pour l'art, pour la mode, pour tout quoi.